Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation d'un jeu bicycle, le Bicycle Promenade. Alors, d'ailleurs c'est bizarre parce que du coup bicycle et avoir marqué promenade en français. Bref. Donc allez, c'est parti. Donc la face de l'étui. Alors c'est un étui qui est un petit peu martelé, là, un petit peu gaufré. Voilà, donc je sais pas si on voit au premier coup d'œil, mais si on fait ça, on entend, on va dire, de l'épaisseur. Au niveau du dos, voilà, donc le dos ressemble quand même réellement à la carte. Là, bah, le truc classique. Et de l'autre côté, donc c'est les jeux Trusted, la série 1885. Il y en a un paquet de ces jeux-là, là. Voilà. Et bah, l'autre côté, donc, le titre, enfin, du moins le nom du bicycle. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit à l'intérieur? Alors, c'est un beau jeu au niveau du dos. Moi, j'aime bien ce design-là. C'est assez, c'est assez sobre quand même, même s'il y a du dessin. Mais j'aime bien. Donc avec donc au premier étalement avec des cartes et des tranches, enfin des tranches, des bordures assez larges au niveau du blanc. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir un jeu avec des telles bordures assez épaisses. Je trouve que moi c'est sympathique. Alors est-ce que tous les jeux sont comme ça? Je sais pas, mais en tout cas celui-ci oui. Donc je pense. Donc assez sympathique. Au niveau de la face, on va l'étaler tout de suite. Après, je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a comme carte à l'intérieur. Donc au niveau de la, bien sûr, du design, de l'écriture, on n'a pas l'habitude de voir ça sur du bicycle. Mais ça reste, voilà, le trèfle avec les... On dirait comme une petite queue de poisson là au bout. Pareil pour le pic. Mais ça reste relativement... En plus, c'est assez gros quand même comme écriture. Visible, donc c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Allez, au niveau des cartes, les deux jokers, donc comme l'autre, la série qui était Botanica, on a deux jokers sans joker garanti, avec un joker de couleur et un joker noir et blanc. Sauf que celui-là, c'était le joker de droite avant. Ouais, alors attends, on va le mettre là. Ça y est, du coup, c'est le joker de droite. Ensuite, on a une carte publicitaire. On a bien évidemment notre carte double dos. Voilà, donc j'ai regardé aussi, j'ai pas trouvé d'asymétrie particulière sur ce jeu, donc je considère qu'il n'en est pas. Voilà, et c'est tout. Allez, donc c'est parti. Donc l'as de pique, les as on les verra après. Voilà, donc ça donne ça quand on regarde la carte. Donc ça va, c'est pas non plus... nous c'est différent pour nous bien évidemment, mais pour le spectateur il n'y a aucun souci. On voit très bien que c'est un 2 de pique, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu plus centré effectivement au milieu. Donc ça réduit un petit peu la carte. Donc du coup je pense qu'ils ont fait les index, enfin les chiffres un petit peu plus gros pour que ça soit un petit peu plus visible. Les figures sont sympathiques, même si elles ne sont pas beaucoup colorées. Ben voilà, on voit bien que c'est un valet, hein. On voit bien que c'est une dame et on voit bien que c'est un roi. Donc ça c'est bien aussi. Je préfère les jeux quand c'est assez visible. Les carreaux. Hop. Sur les figures. La série à trèfle. Hop. L'as, on va le mettre ici. Et on finit par la série des cœurs. Alors, si
si on regarde bien maintenant les piqueurs trèfle carreau, on a des dessins à l'intérieur dans les symboles, avec bien sûr, comme son habitude, l'as de pique est celui le plus décoré. Si j'étale pour qu'on voit. C'est le même symbole que dans les petits ? Non, dans les petits, il n'y a pas de symbole. Dans les petits index au niveau des cartes, ils sont pas colorés. Juste dans les figures où, effectivement, je sais pas si tu arrives à voir, on voit le dessin dans les figures. Alors attends, je vais peut-être prendre une carte à voilà, rouge, ce sera beaucoup plus visible. On a effectivement dans les index des figures le même symbole, le même dessin. Je sais pas si c'est dur à la caméra de voir. Mais ici, hein, je parle, hein, sur celui-là, pas sur celui-là. Un jeu qui me plaît bien, moi. J'aime bien le dos. J'aime bien les faces aussi. On n'a pas l'habitude de voir ces faces-là, mais ça marche très bien. Donc, agréable. Voilà. Donc ça, c'était une petite présentation, vite fait, du jeu Bicycle Promenade.